Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et toi? Pareil. Hein? On parle en français, sous tout. D'accord, comment vous appelez? Je m'appelle Guénab Kaba. Guénab Kaba, j'ai une question pour vous. Un homme qui vous dit chaque jour je t'aime et un homme qui te fait chaque jour dépôt, entre les deux, tu préfères qui? Si le je t'aime est sincère, je préfère prendre le je t'aime parce que là, il est sincère, il m'aime, on s'aime. Le je t'aime peut arranger tout, mais tout le temps tu me fais des dépôts, tandis que je ne suis pas heureuse avec toi, ça ne pourra pas aller. Mais si, oh, par exemple, toi, tu as un mec qui te dit plus je t'aime que qu'il te fasse des dépôts, les deux, tu préfères qu'il te fasse des dépôts ou bien tu préfères qu'il te dise à chaque fois qu'il t'aime? Il me fasse des dépôts tandis que je ne suis pas heureuse, non. Donc tu préfères qu'il te dise je t'aime? Je t'aime aussi, si il m'aime réellement. Ouais, je préfère. Donc tu préfères les jeter? Bah ouais. Sans argent, sans rien? Si, l'argent peut venir parce que là, si le mot je t'aime est là-bas, tôt ou tard, il me fera de son mieux, non? C'est ça. Donc toi, tu préfères ça? Bah ouais. À part ça, j'ai une autre question pour toi. Ok. Ok. On te propose tout de suite 1 milliard de francs guinéens. D'ailleurs, tu fais quel niveau? J'ai eu le brevet cette année. D'accord, on te propose tout de suite là 100 millions de francs guinéens pour que tu retournes en troisième année primaire. Si c'est toi, tu vas accepter ou pas? De quoi? Genre, on te propose 100 millions de francs guinéens pour que tu retournes en troisième année primaire. Si c'est toi, tu vas accepter ou pas? Je vais accepter. Pourquoi tu vas accepter? Ma chérie, ça c'est à propos de l'argent. Si je suis intelligente, je vais te passer la troisième année aussi. Donc toi, tu préfères retourner en troisième, ah, malgré que tu as eu ton brevet cette année. Oui. Alors, toutes les difficultés que tu as passées. Oui, ma chérie. On fait l'étude à cause de l'argent. Non? Et si tu gagnes de l'argent, ma chérie? C'est bon. Tu vas faire quoi avec l'argent? Bon, tant de trucs. Hein? Comme quoi? Tu as quel projet en tête? Bon, parce que je voulais être... je voulais être comptable, quoi. Par exemple, travailler dans des bureaux, vous voyez. Et puis même si ce n'est pas dans les bureaux, les travails que je peux faire de mon propre effort, quoi, vous voyez. Faire sortir mes sueurs pour gagner de l'argent. Donc tu préfères retourner en troisième année à cause de l'argent? Ben, peut-être. Hein? Donc tu n'as pas souffert pour avoir le brevet? Oui, j'ai souffert. Ça fait combien de temps? Tu as fait combien d'années en train de chercher le brevet? 2 ans. Ah, 2 ans. Et toi, tu retournes en troisième année à cause d'argent? Ah, ma chérie, j'ai fait 2 ans, je cherche le brevet. J'ai pas eu ces trois. C'est combien de millions là? J'ai pas eu ça. Mm-hmm. Et puis, j'ai même pas eu les 100 000 là. Les 100 millions? Hein? J'ai même pas eu 100 000 d'abord. Uh-huh. Ah, j'ai eu le brevet, j'ai même pas eu 100 000. Mm-hmm. Ah, tandis qu'on me dit de me retourner en troisième année. Ma chérie, je vais le faire. Tu vas le faire sans honte? Sans honte. Même si on va te taper encore. Ah, même si on va me taper. Et si je ne fais pas ce que le professeur me demande, on ne va pas me taper. Merci. De rien. Porte-toi bien. Vous aussi.